الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz, Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son auteur Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc toujours dans le livre du mariage, on avait traité lors du dernier cours du chapitre de Al-Zihar. Que signifie Al-Zihar? Ça vient de quel mot en arabe? Naam? Hassan, ça vient du mot Al-Zahru qui veut dire le dos. Que signifie Al-Zihar en islam? Naam. Tu es comme le dos de ma mère. Naam, c'est de dire à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Tu es pour moi comme le dos de ma mère. Donc il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains disent que c'est propre à la mère, que le zihar est pris en compte à partir du moment où tu dis à ta femme qu'elle est pour toi comme le dos, ou que tu compares ta femme au dos de ta mère. Et d'autres savants, la plupart, disent que al-zihar est plus vaste que la mère, et à partir du moment où l'homme compare sa femme au dos d'une femme qui lui est interdite, de façon continuelle, qui lui est interdite de façon continuelle, comme de dire à sa femme, tu es pour moi, ou je te compare au dos de ma tante maternelle, ou au dos de ma tante paternelle, ou au dos de ma sœur, ou au dos de ma grand-mère, etc., etc. Les femmes qui sont pour l'homme des femmes interdites au mariage à jamais. Et donc celui qui fait al-zihar sur son épouse, qui la compare au dos de sa mère ou autre, parmi les femmes interdites au mariage de façon continuelle, quelles en sont les conséquences? Sa femme lui devient interdite. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de Zihar. Et quelle est l'expiation de Zihar? Premièrement, d'affranchir un esclave. Et si la personne n'a pas la possibilité, alors de jeûner 2 mois consécutifs. Et si la personne n'en a pas les possibilités, alors de nourrir 60 pauvres. Sainte. Et on avait cité les hadiths à ce sujet, le hadith de Khouayla bint Malik, lorsque son mari Aws ibn Samit radiallahu anhu a fait al-zihar sur elle, et elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Aws ibn Samit d'affranchir un esclave, et sa femme lui a dit qu'il n'avait pas d'esclave en sa possession, alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs, et elle lui a répondu que c'était à une personne âgée qui n'en avait pas la possibilité, et ensuite le professeur Hassan lui dit alors qu'il nourrit 60 pauvres. Et elle a répondu au professeur Hassan qu'il n'avait rien en sa possession, qu'il pouvait donner en aumône, et des dates lui sont parvenues qui n'étaient pas suffisantes pour nourrir 60 pauvres. Et c'est elle-même, radiallahu anha, qui a ajouté les dates en plus afin qu'il puisse nourrir les 60 pauvres et ainsi expier
son vihar. Taïb. Et celui qui compare sa femme au dos de sa mère pendant une durée déterminée, de un mois, une semaine, etc., etc. Quel est le jugement de cela ? Non. Celui qui fait le déha, celui qui dit à sa femme, je te compare au dos de ma mère pour une durée de un mois. Si il patiente un mois et n'a pas de rapport avec son épouse, est-ce qu'il a une expiation à faire ? Il n'a pas d'expiation à faire. Par contre, s'il a un rapport avec son épouse durant cette durée, alors, il doit faire l'expiation de Dhihar. Et on avait cité le hadith de Salam ibn Sakh al-Bayadi radiallahu anhu, qui était un homme qui avait beaucoup, qui était beaucoup attiré, ou qui avait beaucoup de désirs charnels, et lors du ramadan, il a fait Dhihar pour se forcer à ne pas, ou pour s'interdire pour s'interdire sa femme durant le mois de ramadan, pour ne pas tomber dans le péché d'avoir des rapports avec son épouse durant le mois du ramadan. Il a donc comparé sa femme au dos de sa mère afin de se forcer et de mettre un obstacle. Mais il n'a pas résisté et a eu des rapports avec son épouse pendant le mois du ramadan. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'affranchir un esclave. Et il lui a répondu qu'il n'en avait pas. Puis le professeur Hassan lui a dit de nourrir 60 pauvres, ou plutôt de jeûner 2 mois consécutifs, et il a répondu au professeur Hassan que ce n'était que le jeûne qui l'avait mis dans cette situation. Et le professeur Hassan lui a dit alors de jeûner 2 mois consécutifs. Et il a juré par Allah qu'il n'avait même pas de quoi dîner ce jour-là. Et le professeur Hassan lui a dit alors d'aller chez des gens de Médine, des habitants de Médine, afin qu'ils lui donnent de quoi donner en aumône aux pauvres et expier par cela son dhihar. Taïb. Et le dhihar, quel est son jugement en islam ? Il est interdit, car Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le dhihar comme étant une parole blâmable et une parole blâmable et mensongère, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم, ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, elles ne sont pas leur mère, ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم, leur mère ce sont celles qui les ont enfantées, إنهم لا يقولون munkaran min al-qawl wa zura, ils disent une parole blâmable et mensongère, wa inna Allah la afuun ghafur, et Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux. Et on avait cité également que al-dhihar était propre à qui ? Aux hommes, et qu'il n'était pas considéré concernant les femmes. Une femme qui compare son mari au dos de son père, cela n'est pas considéré comme al-dhihar, car Allah Azza wa Jalla a dit الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ, ceux parmi vous qui comparent qui leurs épouses au dos de leur mère. Donc cela est un jugement qui est propre à l'homme et non à la femme. Ensuite on a parlé du chapitre du divorce, al-talaq. Al-talaq en arabe qui signifie Ahsant, al-takhalli wa tark. C'est le fait de délaisser une chose. Et en islam, que signifie al-talaq ? Non ? Le fait de rompre le mariage. C'est le fait d'ouvrir le lien du mariage ou de dénouer le lien du mariage. Car le mariage est un lien qui unit l'homme à la femme. Et le fait de divorcer revient à ouvrir ce nœud qui lie ces deux personnes. Et quel est le jugement de al-talaq ? Quel est le jugement du divorce en islam ? Il est autorisé dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et il est autorisé également à l'unanimité des savants et également par analogie. Par analogie. Bil qiyas. Fahuwa ja'izun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Et on avait cité le hadith qui était connu chez les gens, un hadith populaire, mais qui malheureusement n'est pas authentique, qui est la parole que beaucoup attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que le pire ou la pire des autorisations, abradul halal et ilallah, la plus détestée des choses autorisées chez Allah est le divorce. Et cela est un hadith faible et le sens est faux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a divorcé, comme on avait cité cela la semaine dernière, a divorcé de Hafsa radiallahu anha, puis Jibril alayhi salam est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné de la reprendre, car c'était une femme qui jeûnait beaucoup le jour et priait beaucoup la nuit. Taïm. Et donc on avait cité les preuves qui nous montrent le fait que le divorce est légiféré. On avait cité les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sur cela. Ensuite, on avait cité les différentes sortes de divorce et que le divorce se divise en quatre plutôt. Il y a tout d'abord le divorce min haythu al-lafd. Il y a deux types de divorce concernant la formule de divorce qui est prononcée. Donc le divorce se divise en deux concernant la formulation de ce divorce. Il y a la formulation qui est appelée en arabe, il y a al-lafd al-sarih wal-kinaya. Il y a la formulation directe et la formulation claire du divorce, comme de dire à son épouse, je te divorce, ou tu es désormais une femme divorcée. Ce sont des formules qui sont claires, qui sont concises, qui sont comprises et qui ne veulent pas dire deux choses. Elles ne veulent dire qu'une seule chose, qui est le divorce. Et il y a al-kinaya. Il y a al-kinaya, le fait de prononcer des paroles qui sont ambiguës, de formuler ou de prononcer des formules de divorce qui sont ambiguës, qui peuvent être comprises comme un divorce et peuvent être comprises également comme n'étant pas un divorce. Concernant la première formulation qui est directe, on avait dit qu'à partir du moment où elle était formulée, eh bien, le divorce est prononcé. Le divorce est prononcé. Et comme disent les savants, à partir du moment où le qaf est prononcé, ou est formulé, alors le divorce est pris en compte. Et on avait dit que le divorce était pris en compte, que ce soit qu'il soit dit par amusement ou par plaisanterie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun jidduhunna jidd, wa hazluhunna jidd. » On avait parlé des paroles qui sont « jidd », c'est-à-dire en arabe. Non, « al-jidd » en arabe. On avait dit les paroles qui sont « jidd », ce sont les paroles dont le sens évolue, dont la parole évolue et également le sens. Et al-hazl, les paroles qui sont dites pour plaisanter, ce sont des paroles qui sont dites mais dont le sens n'est pas voulu. Donc celui qui dit à sa femme « aujourd'hui tu es divorcé » pour plaisanter, et elle dit « ah bon ?» Il dit « non, je plaisante. » En islam, cela est pris en compte. Car le professeur Sam a dit « il y a trois types de choses qui sont prises en compte. » Même lorsqu'elles sont dites pour plaisanter, pour s'amuser, le mariage, le divorce et la reprise.
et Ar-Raj'a, lorsque l'homme reprend sa femme durant sa période d'attente de divorce. Et donc, la deuxième catégorie de formulation, c'est la formulation indirecte, celle qui est ambiguë, celle qui peut vouloir dire deux choses ou plus, comme le fait de dire à son épouse, retourne chez ta famille. Retourne chez ta famille. Retourne chez ta famille, cela peut être compris. Retourne chez ta famille, car je te divorce. Mais ça peut aussi être compris. Retourne chez ta famille, car j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de reprendre mes esprits, et j'ai besoin pour cela d'être seul. Et on avait cité deux hadiths à ce sujet. Le premier, deux hadiths où la formule « retourne chez tes parents » a été utilisée, et dans un hadith, elle voulait dire le divorce, et dans l'autre, elle voulait dire le simple fait de rentrer chez elle un certain temps. Le premier, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme qui a dit « Je demande la protection d'Allah contre toi », le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Al-haqi bi-ahlik » « Retourne chez ta famille ». Comment rassembler ce hadith avec le jugement qu'on connaît, qui est que lorsqu'un homme divorce de sa femme, il y a une période à respecter de trois menstrues, et cette période doit être respectée où ? Dans la maison de du mari. Or ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme, « Ilhaqi bi ahlik, retourne chez ta famille en la divorçant. » Ahsant. Car le mariage n'a pas été consommé. Et lorsqu'un homme divorce d'une femme sans que le mariage n'ait été consommé, il n'y a pas de idda. Il n'y a pas de idda. Il n'y a pas de période à respecter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, idha nakahtumul mu'minati, Ya ayyuha alladhina amanu, إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها. Ô vous les croyants, lorsque vous vous mariez avec des croyantes, puis que vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avant d'avoir consommé le mariage, فما لكم من عدة تعتدونها. Vous n'avez pas de عدّة à respecter. Vous n'avez pas de durée d'attente à respecter. Pourquoi ? Car le mariage n'a pas été consommé. Et ensuite, il y a le second hadith, le hadith de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ignoré, lui et ses deux compagnons, qui n'étaient pas venus ou qui n'avaient pas assisté à la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme afin de lui dire de s'abstenir de sa femme, et il a demandé, est-ce que je dois m'en séparer ou dois-je la divorcer? Et le professeur Hassan m'a dit non, de t'en séparer. Puis il a dit à sa femme, Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu a dit à son épouse, ilhaqi bi ahlik, il lui a dit retourne chez ta famille. Est-ce qu'il voulait la divorcer? Non, il voulait seulement se séparer d'elle temporairement à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le divorce se divise en deux concernant la formulation de divorce. Mais il y a aussi le divorce, il y a deux sortes de divorce quant à sa nature. Ça peut être un divorce qui soit direct, prononcé directement, ou bien un divorce sous condition. Un divorce sous condition. Donc concernant le premier cas, lorsque la prononciation du divorce a été faite par une formule ambiguë, quand est-ce que le mariage est prononcé ? Lorsque l'intention était là. Celui qui dit à sa femme, retourne chez ta mère pour se séparer d'elle temporairement le temps de reprendre ses esprits,
cela n'est pas considéré comme un divorce. Mais s'il dit à sa femme, retourne chez ta famille, en ayant l'intention de le divorcer, alors le divorce est prononcé. Donc le deuxième cas, les deux types de divorce qui diffèrent par rapport à la nature du divorce, qui est soit direct, soit indirect, soit prononcé directement, dans ce cas il est pris en compte de suite, ou bien alors un divorce sous condition, comme le fait de dire à son épouse, si tu retournes chez un tel, alors tu es une femme divorcée. Et concernant ce deuxième cas, là aussi l'intention est importante. Si l'homme dit cela à sa femme en ayant véritablement l'intention de la divorcer, alors si sa femme retourne chez cette personne, le divorce est prononcé. Mais s'il dit cela à son épouse afin de lui faire peur, de la dissuader, de la mettre en garde, etc., mais en aucun cas d'avoir l'intention de la divorcer, dans ce cas le divorce n'est pas pris en compte. Mais si la femme se rend chez cette personne, alors l'homme doit faire l'expiation du juron. Doit faire l'expiation du juron. Très. Ensuite, le troisième cas, c'est là où on s'est arrêté ou on avait continué ? On s'est arrêté là. Thalithan min haythu as-sunnah wal bid'ah. ينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى طلاق سني وطلاق بدعي. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية حين طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء. حديث متفق عليه. طيب، donc le divorce se divise aussi en deux. Il y a le divorce innovatoire, il y a le divorce conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le divorce conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le divorce innové qui comporte des innovations. Quant au divorce conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'un homme divorce de sa femme lorsqu'il a consommé le mariage, talqatan wahida, un seul divorce, dans une période où sa femme est pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en état de menstrue, et dans cette période de pureté de la femme, l'homme n'a pas eu de rapport avec son épouse. Donc, ici, l'auteur dit, c'est le fait qu'un homme divorce d'une femme avec qui il a consommé le mariage. Et il divorce une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, il divorce une fois ? Non. Il prononce la formule de divorce une fois, il dit « je divorce ». Hassan, il prononce la formule de divorce une seule fois. « Fi tuhrin lam yujami'ha fi » dans une période où la femme est pure, et dans laquelle il n'a pas eu de rapport avec elle. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: le divorce réconciliable est au nombre de deux, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٌ أَوْ تَحْسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ.
Et après ces deux divorces réconciliables, c'est soit la reprise dans le bien, ou bien alors la libération de la femme dans le bien. Ou tasrihun bi ihsan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha an-nabi, idha talaqtum an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ô prophète, lorsque vous divorcez des femmes, divorcez avec elles dans leur période. Dans leur période. Li'iddatihin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset d'Allah azza wa jal, a expliqué la parole d'Allah azza wa jal lorsqu'il dit dans leur période. Que signifie? Lorsque vous divorcez des femmes, divorcez d'elles pendant leur période, c'est-à-dire dans une période de pureté dans laquelle vous n'avez pas eu de rapport avec elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset lorsque Ibn Umar radiyallahu anhu a divorcé de sa femme lorsqu'elle avait ses menstrues. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le père de Abdullah ibn Umar, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonne-lui de la récupérer, puis qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle se purifie, jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle devienne pure, et ensuite il a le choix soit de la garder ou soit de la divorcer avant d'avoir des rapports avec elle. فَتِلْكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. Et c'est cette période que Allah Azza wa Jal a ordonné que l'on divorce des femmes. C'est dans cette période qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on divorce des femmes. Donc ici, dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a divorcé de sa femme alors qu'elle était en état de menstrue. Et Umar ibn Khattab radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce fait de Abdullah ibn Umar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Murhu falyuraji'ha. Ordonne-lui de la récupérer. Et dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est autorisé de demander sur les actes d'autrui, de demander à un savant le jugement des actes que les autres ont faits, à condition que cette demande est faite pour conseiller la personne. À condition que la demande est faite pour conseiller la personne. Si tu connais une personne qui fait un péché, tu as le droit de demander à un savant de dire: voilà, une personne a fait tel et tel péché, que me conseillez-vous? De dire cela uniquement pour avoir des conseils de ce savant qui seront apportés à cette personne qui a fait ce manquement. Mais en aucun cas de poser la question sur les actes d'autrui ou sur les péchés d'autrui pour divulguer des secrets ou à la recherche des défauts des gens. Cela n'est pas autorisé en islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Omar al-Khattab et a dit: ordonne à ton fils de la récupérer. Donc un homme qui divorce de sa femme alors qu'elle est en état de menstrue, la première chose à faire, c'est de la récupérer. De la récupérer. On verra, Inch'Allah. Ça arrive. Donc la première chose, c'est qu'il doit la récupérer. Et il doit la garder jusqu'à ce qu'elle soit pure. Jusqu'à ce que la période de ses menstrues se termine. Et il doit attendre que les prochaines menstrues arrivent.
Et il doit attendre que ces deuxièmes menstrues arrivent à terme et que sa femme soit pure. Thumma insha'a amsak, puis s'il veut garder sa femme, il la garde. Wa insha'a talaq qabla an yamas. Et si il veut divorcer, alors il doit le faire avant d'avoir des rapports avec elle. Car s'il a des rapports avec elle, il aura divorcé d'elle pendant une période où elle sera pure, mais dans laquelle il aura eu des rapports avec elle. Donc s'il veut divorcer, il doit le faire avant d'avoir des rapports avec elle. فَتِلْكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا التي أمر الله أن تطلق لها النساء. Et c'est cette période qu'Allah Azza wa Jal, c'est dans cette période qu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux hommes de divorcer de leur femme si divorce ils désirent. Donc dans ce hadith, il y a tout d'abord, comme on a dit, l'autorisation à quelqu'un de demander sur les actes d'autrui. Il y a aussi l'autorisation de léguer quelqu'un pour transmettre un jugement juridique, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Omar al-Khattab, ordonne-lui à qui ? À Ibn Omar, radhiyallahu anhu, ordonne-lui de la récupérer. Et il y a dans ce hadith l'interdiction aux hommes de divorcer de leur femme lorsqu'elles ont leur menstrue. Et il y a également dans ce hadith la preuve que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer le Coran. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la parole d'Allah azza wa jal, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, divorcer d'elles pendant leur période. طيب, وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْبِدْعِي فَهُوَ الطَّلَاقُ الْمُخَالِفُ لِلْمَشْرُوعِ كأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهذا الطلاق حرام وفاعله آثم. Quant au divorce innové, le divorce innovatoire, celui qui comporte des innovations, et les innovations en islam sont toutes des égarements. Comme l'a dit le professeur sallam, wa kullu bid'atin dalalah, et toute innovation est égarement, wa kullu dalalatin finnar, et tout égarement est au feu. Donc, le divorce innové, c'est le divorce qui comporte des contradictions avec la législation musulmane, comme le fait de divorcer de sa femme lorsqu'elle a ses menstrues, ou bien de divorcer avec elle lorsqu'elle est pure, mais dans une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports avec elle, ou bien de rassembler ou de la divorcer trois fois en prononçant une seule parole, ou bien de le dire dans une même assise, comme de dire je te divorce trois fois. Là, il a divorcé de sa femme, il a prononcé trois divorces en une seule parole en disant je te divorce trois fois, ou bien de dire à son épouse je te divorce, je te divorce, je te divorce, ou bien tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Cela est interdit en islam, ce type de divorce est interdit en islam. Et il fait partie des divorces innovatoires qui comportent des innovations égarées. Et ce genre ou ce type de divorce est interdit en islam. Et celui qui prononce, c'est-à-dire l'homme qui prononce ce genre de divorce, a commis un péché et encourt un châtiment. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلْقَهُ وإن كانت رجعية أمر بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسها
kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar. Et celui qui divorce de son épouse alors qu'elle est en état de menstrue, faqad waqa'a at-talqa. Le divorce est prononcé. Cela est comptabilisé comme un divorce. Et si c'est un divorce où il y a un retour possible, c'est-à-dire le premier ou le second divorce. Ce sont les deux divorces dans lesquels l'homme a la possibilité de récupérer sa femme quand il le désire à tout moment durant la période de Idda, durant la période des trois menstrues. Mais une fois la période des trois menstrues écoulée, alors pour récupérer sa femme, il doit se remarier, refaire un acte de mariage nouveau, de redonner une dot, et la femme doit donner son accord de même que son tuteur. Ah ouais, mais c'est pas avant ça de se marier avec une autre personne, de divorcer, non? Non, si il a divorcé d'elle trois fois. S'il a divorcé d'elle trois fois. Mais s'il a divorcé d'elle une fois ou deux, et que la période a été écoulée, il a la possibilité de se marier avec elle, mais en faisant un nouvel acte de mariage avec toutes les conditions qui y sont attachées. Voilà. Non. Obligé de faire la walima. Donc, si c'est un mariage dans lequel il y a une possibilité de retour, l'homme doit récupérer sa femme et doit la garder jusqu'à, comme on l'a dit, jusqu'à ce qu'elle se purifie, car il a divorcé d'elle en ayant ses menstrues. Donc, il doit attendre qu'elle devienne pure, puis que les prochaines menstrues arrivent. Et il doit attendre ensuite qu'elle soit pure une seconde fois, et là, elle a le choix soit de la garder, ou soit de la divorcer avant d'avoir des rapports avec elle. Kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar. Et s'il la divorce avant d'avoir eu des rapports, mais que par la suite il a des rapports avec elle pendant la période de l'Idda. Non, Ahsant. Le fait d'avoir des rapports avec son épouse pendant la période de l'Idda, cela est considéré comme une raja'a, comme une reprise. Car on avait dit que la reprise était de deux sortes, soit verbale, en disant à sa femme, je te reprends, ou bien par l'acte qui est le fait d'avoir des rapports avec elle. Non. Il n'a pas commis de péché aussi. Non, il n'a pas commis de péché parce que c'est sa femme. On avait dit que la femme qui est en période de Idda reste sa femme. Sa femme. Non. Fadal akhi. Assalamu alaykum. Et la preuve que le divorce est comptabilisé, c'est ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, selon Saïd ibn Jubayr, selon Abdullah ibn Omar, qui a dit « Husibat alayya bitatliqa ». Elle m'a été comptabilisée comme un divorce. « Qala al-hafidhu fil fath, inna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam huwa al-amiru bil-muraja'a, wa huwa al-murshidu l'ibn Omar fima yaf'al, idha arada talaqaha ba'da dhalik. Wa idha akhbar ibn Omar, وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقه كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة. Donc الحافظ ابن حجر العسقلاني dans son livre الفتح, dans lequel il a expliqué Sahih al-Bukhari, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a ordonné à Abdullah ibn Omar de reprendre sa femme. Et c'est également lui qui lui a montré quoi faire par la suite s'il désirait se divorcer de sa femme. Et Abdullah ibn Omar, c'est lui qui a informé que
cela était comptabilisé comme un divorce. Or, Abdullah ibn Umar anhu, ne pouvait pas informer quelque chose à son insu. Mais s'il a informé de cela, c'est que le prophète lui a enseigné et lui a appris cette chose. Et dans d'autres versions, le prophète était énervé par cet acte de Abdullah ibn Umar lorsqu'il a divorcé de sa femme en ayant ses menstrues. Le prophète était courroucé de cela et a montré les démarches à suivre pour réparer cette erreur. Et Abdullah ibn Umar, lorsqu'il dit « Elle m'a été comptabilisée comme un divorce », et cet acte-là m'a été comptabilisé comme un divorce, qui lui a comptabilisé ? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قال الحافظ وقد أخرج ابن واهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظرة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الحافظ وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه. Et الحافظ ابن حجر radiallahu anhu apporte une autre version de ce hadith rapporté par Ibn Wahb dans son Musnad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait ou sur l'acte qu'a fait son fils Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar al-Khattab, hiya wahida, c'est la première. Hiya wahida, ou c'est une, c'en est une. Autrement dit, c'est un divorce. Et le hadith est authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans son livre Al-Irwa, et le hadith est également rapporté par Ad-Daraqutni. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit وَهَدَ نَصٌ فِي مَوْضَعِ الْخِلَافِ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ. Et c'est un hadith authentique dans un sujet de divergence. Et dans les sujets de divergence où il y a des hadiths authentiques, il faut retourner à ces hadiths, se cramponner à eux et surtout les mettre en pratique. طيب, يقول المؤلف طلاق الثلاث. Puis l'auteur parle du chapitre du divorce qui est fait à trois reprises. وأما إن طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد فإنما يقع واحدة لما رواه مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين وذلك وسنين وسنتين نعم وسنتين نعم سنين وسنتين كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه هبة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ورأي عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. Donc, le divorce à trois reprises. Quant au divorce à trois reprises en ne prononçant qu'une phrase ou dans une même assise, en ne prononçant qu'une phrase, c'est-à-dire de dire « je te divorce » trois fois, ou dans une même assise, c'est-à-dire de dire à sa femme « je te divorce », puis ensuite de dire « je te divorce » et ensuite de dire « je te divorce ». Donc, de prononcer trois fois le divorce dans une même assise. فَإِنَّمَا يَقَعُ وَاحِدَةً. L'avis le plus sûr des savants, c'est que cela est comptabilisé comme un divorce et non trois.
La preuve, c'est ce qui est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, qui dit que le divorce au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période où Abu Bakr radiallahu anhu a été le gouverneur des musulmans. Une période qui était de combien? Qui connaît la durée? Non? La période ou la durée qu'a gouverné Abu Bakr radiallahu anhu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, pas différent. 2 ans et 1 mois. Abu Bakr radiallahu anhu a été calife 2 ans et 1 mois. Wa sanatayn min khilafati Umar. Et durant les 2 premières années du calife de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc durant toutes ces périodes, talaq al-thalathi wahida, le divorce qui était prononcé, les 3 divorces prononcés en une seule phrase ou dans une seule et même assise étaient considérés comme un divorce. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. Et Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه a dit que les gens se précipitaient dans une chose dans laquelle ils espéraient un retour, ou ils savaient qu'il y avait un retour. Autrement dit, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, après ces 2 premières années où le divorce à 3 reprises en une seule parole ou dans une seule et même assise était considéré comme un seul divorce. À l'époque de Omar al-Khattab, les hommes se précipitaient et disaient souvent à leur femme, je te divorce 3 fois, ou je te divorce et je te divorce, car ils savaient que cela était considéré comme un seul divorce, et donc c'est pour cela qu'ils se laissaient aller et se précipitaient à dire ce genre de phrase. Et Omar ibn Khattab, en voyant l'ampleur de cela et le fait que les gens ont minimisé ce fait de divorcer en prononçant de telles paroles, en faisant un divorce qui est innové et interdit en islam, Omar ibn Khattab a dit فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. Et si nous leur imposions cela, c'est-à-dire si nous leur imposions que lorsqu'ils prononcent ce genre de divorce, qu'ils soient comptabilisés comme étant 3 divorces. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. Il a alors imposé aux hommes. Donc Omar ibn Khattab, durant les 2 premières années de son règne, les divorces à 3 reprises en une seule parole ou dans une seule et même assise était considéré comme un seul divorce, mais par la suite, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a considéré cela comme 3 divorces. Et est-ce que l'on dit que c'est une erreur de Abdullah ibn Umar, de Omar al-Khattab radiallahu anhu? Non. Ce n'est en aucun cas une erreur de Abdullah de Omar al-Khattab radiallahu anhu, car il a jugé selon la situation qui était présente à son époque. Et le juge a le droit d'instaurer des règles pour minimiser des mâles ou pour augmenter des biens. Pour minimiser des mâles et augmenter des biens. Par exemple, lorsque la zakat ne suffit plus, lorsque les musulmans qui s'acquittent de leur zakat, que ce soit la zakat de l'argent, la zakat des cultures ou la zakat de toutes les bêtes. Vous savez, vous avez oublié la zakat? Des ovins. Non, des ovins, des bovins et des chameaux. Et on dit lorsque toutes les zakats sont acquittées mais qu'elles ne suffisent pas et qu'il y a une famine qui s'installe, est-ce qu'il est autorisé au gouverneur de demander aux musulmans de donner plus et de leur imposer cela? Oui, il lui est autorisé. Pourquoi? Car le fait d'imposer cela va permettre de réduire
le mal et d'augmenter le bien. Donc Omar al-Khattab n'a en aucun cas fait un mal dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiin min ba'di » accrochez-vous ou suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés qui sont Abu Bakr radiallahu anhu, Omar al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum ajma'in. Donc des choses qu'ils mettent en pratique ou qu'ils instaurent sont des sunnas de leur part et des sunnas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé voire ordonné de suivre. Donc وَرَأْيُ عُمَرْ comme le dit l'auteur, et l'avis de Omar est un effort de sa part. Et le but d'avoir instauré cela est pour un bien qu'il a qu'il a jugé bon et juste d'instaurer. Et il n'est pas autorisé, malgré cette légifération de Omar al-Khattab radhiyallahu anhu, il n'est pas autorisé de délaisser ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au temps du calife de Abu Bakr radhiyallahu anhu et durant les deux premières années du calife de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Autrement dit, Omar al-Khattab radhiyallahu anhu a considéré les trois divorces à son époque car il jugeait que cela était le mieux approprié. Mais cela ne doit pas, ou plutôt on ne doit pas, par ce fait de Omar al-Khattab, délaisser ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le jugement du divorce trois fois en prononçant une seule et même parole ou dans une seule assise, la plupart des savants considèrent que il est comptabilisé comme trois divorces. La plupart des savants. Parmi eux, les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, les quatre considèrent que lorsqu'un homme dit à sa femme « Je te divorce trois fois » ou « Je te divorce, je te divorce, je te divorce » que cela est comptabilisé comme étant trois divorces. Mais, comme le dit l'auteur, Rajih, l'avis le plus sûr, Allahu a'lam, c'est que cela est considéré comme un divorce. Et c'est l'avis de beaucoup de savants et de compagnons avant, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdurrahman ibn Auf et également Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, de même que son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahumullah jami'an. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a même été persécuté à cause de cette fatwa et on lui a fait du mal. Il a même été en prison à cause de cette fatwa lorsqu'il a pris en considération ce hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté dans Sahih Muslim où il est dit que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps d'Abu Bakr, les deux premières années du calife de Omar al-Khattab, le divorce qui était prononcé, les trois divorces prononcés par une seule parole ou dans une seule et même assise, étaient considérés comme un divorce. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était en totale contradiction avec le gouverneur de son époque, qui lui jugeait que c'était comptabilisé comme trois divorces. Et Cheikh Ibn Taymiyyah a été persécuté. Il a été emprisonné pour cela, de même que son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, que il a été, on l'a monté sur un chameau et on l'a fait tourner dans la ville pour l'humilier et pour le montrer aux gens en disant voilà, c'est lui qui dit que celui qui divorce trois fois de sa femme, que cela n'est considéré, et on est dans une seule et même assise ou une seule parole, que cela est considéré comme un seul et même divorce. Et né à notre époque, le Cheikh Al-Albani rahimahullah qui considère que cela est considéré comme un seul divorce et que Omar al-Khattab radhiyallahu anhu a jugé cela
en fonction de la situation de son époque. Rabi'an. Et donc, le quatrième divorce qui diffère en fonction du retour ou non. Donc, il y a un divorce où il y a un retour possible et il y a un divorce où il n'y a pas de retour. Rabi'an min haythu raj'a wa adamiha. الطلاق إما رجعي وإما بائن والبائن إما أن يكون بينونة صغرى أو كبرى. Donc le divorce est soit un divorce avec retour ou soit un divorce sans retour. Et le divorce sans retour, appelé en arabe al-ba'in, se divise en deux. Il y a la petite séparation et la grande séparation. Il y a la petite séparation et la grande séparation. Autrement dit, il y a, si on traduit comme ça, il y a le petit sans retour et le grand sans retour. Le grand sans retour, c'est le retour. C'est le fait qu'un homme puisse récupérer sa femme à condition qu'elle se remarie avec un homme et que le mariage soit consommé et que ce soit un mariage sincère et qu'après que le mariage soit consommé, que le divorce est prononcé et ce n'est qu'à ce moment que l'homme a le droit de récupérer sa femme. Donc, il y a le divorce avec retour. Le divorce avec retour, c'est lorsqu'un homme divorce de sa femme une fois ou deux fois. Il a le droit de la récupérer, soit pendant sa période de idda, dans ce cas il n'a pas besoin de faire un nouvel acte de mariage, ou soit après la période de idda, dans ce cas il doit faire un nouvel acte de mariage. Ou soit, c'est un divorce ba'in, où il y a une séparation claire. Et al-ba'in, on a dit, soit il y a une petite séparation ou une grande séparation. Je préfère le mot séparation que sans retour. Donc soit il y a une petite séparation ou soit une grande séparation. Une petite séparation, c'est par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'un homme divorce de sa femme alors que le mariage n'a pas été consommé. Est-ce qu'il a le droit de la récupérer? Est-ce qu'il a le droit de la récupérer? Non. Donc, un homme qui divorce de sa femme avec qui il n'a pas consommé le mariage, il a le droit de la récupérer, mais il doit refaire un nouvel acte de mariage. D'accord ? Donc là, c'est une séparation qui est petite. Il y a la grande séparation qui est lorsqu'un homme divorce trois fois de sa femme et pour la récupérer, il doit, ou plutôt elle doit, se remarier, un mariage sincère, consommer ce mariage et divorcer. Il y a aussi un autre cas dans lequel il y a une séparation petite. Quelle est-elle? Donc on a dit soit l'homme qui divorce de sa femme avec qui il n'a pas consommé le mariage, ou il y a aussi le deuxième cas qu'on avait vu la semaine dernière, lorsque la femme demande al-khul, lorsque la femme demande la séparation avec son mari, c'est-à-dire qu'elle ne supporte plus son mari et qu'elle ne peut plus vivre avec lui, et qu'elle demande à son mari de se séparer d'elle en donnant une compensation à son mari. Elle doit donner une compensation à son mari. On avait dit que la idda était de d'une menstrue. Que la idda était d'une menstrue, et que son mari n'avait pas le droit de la récupérer durant cette idda.
et que pour pouvoir la récupérer, il faut qu'il se marie avec elle et qu'il y ait un nouvel acte de mariage. Donc vous voyez la différence entre les deux, entre la petite séparation et la grande. La petite séparation, c'est lorsqu'il y a un besoin d'un nouvel acte de mariage. Simple. Et la grande séparation, c'est lorsque la femme doit se remarier, un mariage sincère, consommé, et qu'elle divorce par la suite. الطلاق الرجعي هو الطلاق المدخول بها في غير مقابلة مال ولم يسبقه طلاق أصلا أو كان مسبوقا بتطليقة واحدة. Donc l'auteur ici donne la définition du divorce avec retour. Donc le divorce avec retour, c'est le fait de divorcer d'une femme avec qui le mariage a été consommé sans compensation financière. Car s'il y a une compensation financière, c'est appelé un khul, c'est appelé une séparation et non un divorce. وَلَمْ يَسْبِقْهُ طَلَاقٌ أَصْلًا. Donc, un homme qui divorce d'une femme avec qui il a consommé le mariage sans compensation financière et sans qu'il ne soit précédé d'un divorce ou bien qu'il soit précédé d'un divorce. D'accord ? Vous avez compris ou pas ? Donc, c'est un homme qui divorce d'une femme avec qui le mariage a été consommé. Donc là, on parle du divorce avec retour. On parle du divorce avec possibilité de retour. Et quand on dit possibilité de retour, c'est-à-dire petit divorce. C'est-à-dire qu'il n'a pas divorcé. C'est-à-dire de retour, et pendant la période de Idda. Quand on parle de retour, on parle de récupération pendant la période de Idda. Donc, le divorce dans lequel l'homme a le droit de récupérer sa femme pendant la période de Idda, c'est lorsqu'un homme divorce d'une femme avec qui il a consommé le mariage sans compensation financière et qu'il n'a pas été précédé de divorce, ou s'il a été précédé de divorce, alors d'un seul divorce. D'accord ? Et non pas de deux. Car s'il a été précédé de deux divorces, ce sera le troisième. Et le troisième divorce, il n'y a pas de retour possible pendant la idda. Et la idda de la femme doit être faite. Elle doit être faite où ? Lorsqu'un homme divorce de sa femme pour la troisième fois. Chez la famille. Car lorsqu'il divorce d'elle pour la troisième fois, ce n'est plus sa femme. Il n'a plus possibilité de la récupérer. Sans aller par la suite, après qu'elle soit mariée, comme on l'a dit. Et donc, la idda de la femme doit être observée chez sa famille. Elle doit être observée chez sa famille. Mm-hmm. Non. La idda, c'est en gros, c'est pour savoir si la femme est enceinte ou pas. La idda, c'est une période d'attente qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est pour le divorce de trois menstrues. Et on va le voir après, il y a un chapitre entier de Idda. Mais, pour répondre à ta question brièvement, ce n'est pas seulement pour savoir si elle est enceinte ou pas. Il y a ça, mais lorsque... il y a des Idda où le but est uniquement de savoir si la femme est enceinte ou pas. Comme par exemple, Al-Khul. Lorsque la femme demande de se séparer de son mari, il y a une Idda de un mois. Et les savants disent que cette Idda, c'est uniquement pour l'istibra. L'istibra, c'est-à-dire uniquement pour être sûr que la femme n'est pas enceinte. C'est pour cela que la durée est d'une menstrue. Mais quant aux trois, il y a la durée des trois menstrues, il y a l'istibra, mais il y a aussi le fait que la femme doit rester pendant ces trois mois ou ces trois périodes de menstrues dans la maison de son mari en espérant une réconciliation. Car trois mois, ce n'est pas facile. Et si au bout de trois mois, l'homme et la femme sont toujours aussi décidés de se divorcer, c'est que vraiment, ils désirent de se divorcer, qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Mais de vivre avec une personne avec qui tu es en conflit pendant trois mois,
Yani, cela va te pousser à essayer de réconcilier, à essayer de trouver un terrain d'entente. Peut-être que dans cette période, l'homme va regretter son divorce ou la femme va regretter, etc. Yani, c'est une période qui est longue pour permettre une réflexion posée et une durée suffisante pour cela. Oui. Non. Quand une femme est enceinte, on a le droit de la divorcer. Et tu as le droit de divorcer une femme qui est enceinte. Et la idda pour une femme qui est enceinte, c'est son accouchement. Donc, comme disent les savants, talaqul hamil kulluhu sunni. Talaqul hamil kulluhu sunni. Yani, il n'y a pas de divorce innové concernant une femme enceinte. Car elle n'est pas en état de menstrue. Elle n'est pas en état de menstruer. Donc, une femme qui est enceinte, son mari a le droit de la divorcer et sa période est de... et son accouchement. Sa période est le moment où elle accouche, même si elle accouche deux jours après ou le soir même. Même si elle accouche deux jours après ou le soir même. طيب قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc la preuve du divorce avec retour, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit le divorce réconciliable est au nombre de deux. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Soit alors c'est une reprise dans le bien, ou alors c'est un délaissement dans le bien. C'est-à-dire que durant les deux premiers divorces, tu as le droit ou tu as la possibilité de récupérer ta femme pendant la période de idda. وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًا زَوْجَةٌ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَلِزَوْجِهَا حَقُّ مُرَاجَعَتِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا وَلَا إِذْنُ وَلِيِّهَا. Donc, celle qui est divorcée d'un divorce avec retour est considérée comme étant la femme, elle est considérée comme étant épouse tant qu'elle est dans sa période de ida. Et son mari a le droit de la récupérer au moment, à tout moment, et au moment où il le veut, durant cette idda. Et est-ce qu'il y a pour condition qu'elle accepte ou que son tuteur accepte? Non. Il a le droit, donc c'est un droit, il a le droit de récupérer sa femme durant cette idda au moment où il le désire, sans donner comme condition l'accord de la femme ou bien l'autorisation de son tuteur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. Donc Allah Azzawajal dit, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de taire ou de cacher ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans leur ventre. Autrement dit, il n'est pas autorisé à une femme divorcée qui sait qu'elle est enceinte de cacher sa grossesse. Cela est interdit. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Et il ne leur est pas permis de taire ou de cacher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier. Et Allah Azza wa Jalla dit, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Donc, c'est un point. Le fait de
récupérer sa femme pendant cette période de Idda à tout moment, cela est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au mari. C'est clair ou pas pour ces jugements ? C'est clair ? On a tafi bihada al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc la semaine prochaine, inchallah, on terminera le livre du mariage en parlant du chapitre de khul, du khul et du chapitre de la idda. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.